Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous sortir ce look enfin. Donc ça fait un petit moment que je voulais le faire et je me suis tâtée pour le costume. Donc le costume, c'est un costume de pirate comme vous avez vu dans l'introduction et le make-up. Donc c'est pareil, make-up pirate, costume pirate. Donc j'ai acheté le costume sur Déguise-toi.fr. Donc c'est celui-ci, c'est Pirate Beauty. Donc comme vous le savez, chaque année, moi, Halloween, c'est pas ma fête préférée, c'est Noël. Mais tous les ans, je me dis, il faut que je sorte un look. L'an dernier, j'étais pas satisfaite. Hein. Et cette année, je me suis dit, je veux acheter un costume. En plus, au travail, on peut. Donc voilà. Et je me suis dit, cette année, je veux sortir un beau look quand même. C'est un sacré budget quand même. Voilà, je trouve. Le costume, je sais plus combien il était. Mais j'ai acheté donc un jupon. J'ai acheté en plus les collants résille. Et c'est tout. J'ai pas acheté l'épée. Donc j'en avais une. Je verrai bien ce que ça donne dans l'intro. Je vais commencer. Donc j'ai hydraté ma peau comme toujours. Ce que je vous conseille aussi, c'est de trouver quelque chose qui vous bronze un petit peu le teint et le corps, si possible, de mettre un autre bronzant. Mais moi, j'ai pas voulu en mettre aujourd'hui. Donc voilà. Et je me suis dit, je vais utiliser ceci que j'avais acheté. En fait, j'avais eu un genre d'auto-bronzant chez Look Fantastic dans le calendrier de l'Avent et je l'ai racheté. C'est celui-ci. Voilà. Il fait plus un peu la peau bronzée, orangée, j'aime pas trop. Donc j'en ai déjà mis, je vais pas en remettre. Et en fait c'est sous plusieurs jours, hein, ça se voit pas directement. Donc c'est mis en auto-bronzant. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire four. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait des petites tresses d'ailleurs. Je sais même pas si je vais mettre une perruque. Je pense que je vais mettre ça, parce que j'ai pas fait ma couleur. Bref, je vais arrêter, on va commencer tout de suite. Donc je vais hydrater mes lèvres. Donc il y a du bruit, je pense peut-être que je mettrai la musique. Et puis je sais pas si je ferai des explications ou quoi, je sais pas. Voilà, je hydrate mes lèvres. J'ai l'impression que cette vidéo c'est un peu n'importe quoi. Écoutez. Alors là c'est un de chez Nuxe quand il m'a ramené. Rêve de miel, je l'aime pas trop. Je sais pas, déjà je trouve c'est pas propre ce système. C'est mieux quand c'est un stick ou quoi. Parce qu'en fait tes doigts, faut toujours nettoyer ses doigts quand même hein. Je sais nettoyer, j'aime toujours des petites lingettes à côté de moi. D'ailleurs, j'aime pas ça, donc je nettoie avec la lingette mon doigt. Bref, j'aime pas trop, c'est pas mon préféré en tout cas. Voilà. Bref, je vais hydrater ma peau une deuxième fois avec le spray Napka, comme d'habitude, que j'adore. Il va fixer, hydrater, donc avant de mettre le maquillage. Et je l'adore. J'ai mon petit ventilo. Non, je l'ai pas là. Non, c'est pas grave. Il sèche assez vite de toute façon. Donc aujourd'hui comme base, ce que je vais utiliser la Milk, c'est la Hydro Grip Primer, la Milk, voilà, et je vais l'appliquer donc sur tout mon visage. Je l'ai eu en petit format, enfin je l'ai acheté en petit format, et donc je la mets sur tout mon visage. Celle-ci elle va permettre de bien accrocher la matière, je trouve qu'elle fait bien tenir le maquillage, elle est vraiment super, je trouve que c'est la meilleure que j'ai dans mes tiroirs en tout cas. Je la mets un petit peu plus ici. Parce que si on porte le masque, la journée, merci. Je vais aussi appliquer un petit peu la The Ordinary. Elle est pas mal, c'est la The Ordinary. C'est marqué en français, ça c'est bien. Primer fluide facile et à étaler. Alors c'est un primer un peu lissant. Et moi je veux cet effet lissant un peu ici et au front. J'en mets un petit peu sur mes mains. Voilà, c'est translucide. Hein. Donc j'en mets un petit peu ici et un petit peu là. J'ai mis mes ongles en violet, ça suivra pas tellement mieux que le muque, mais ça fera une touche de couleur. Écoutez, on verra bien ce que ça donne au final. Donc je vais prendre mon beauty blender que j'ai préalablement humidifié, et bien essoré, et bien séché avec une serviette. Donc maintenant il est bien, il est presque sec, il est humide. Et je vais utiliser le Low Kit de chez Kat Von D en teinte cool. Voilà, et je mets donc, j'ai un petit cheveu. Ah non, ça j'aime pas par contre, petit minouche. Quelques pompes, bon, pour l'instant j'en mets deux seulement, et je l'applique sur tout mon visage en tamponnant comme d'habitude. Oh non, j'ai oublié de mettre du vert pour cacher mes boutons. Que cruche. En plus elle est juste là ma palette, c'est une palette de chez L'Oréal. Bon c'est pas grave, je le ferai après et je repasserai un petit coup. Normalement c'est avant qu'il faut le faire Emily. À chaque fois j'oublie des étapes alors que c'est juste sous mon nez, mais c'est pas possible ça. J'ai pris ce fond de teint parce qu'il est très bien couvrant. Bon, c'est ma teinte, même si je parais blanche. Faut le travailler vite parce que je trouve qu'il sèche assez vite. Il est mat comme fond de teint. Il ne fait pas plâtre non plus, donc il est plutôt bien. Ah, on voit mes racines un peu la couleur elle a pris au niveau du produit que je vous ai fait montrer juste avant. Je parais blanche. Vampire Diaries. C'est pas grave, on aurait chopé tout ça. Et donc je vais utiliser mon petit doigt, mon annulaire.
en mettre ici. C'est trop tard. Ça a bien couvert quand même, mais je vais en mettre quand même. Hop. Ouais. En ce moment, c'est pas la grande forme, ma peau. Elle est belle, mais j'ai quelques boutons par-ci par-là qui m'arrivent, qui débarquent comme ça, et là, ça veut. J'avais une si belle peau, et j'ai vraiment pas de chance avec ce que je mange en fait. Ouh, je vais reprendre un tout petit peu de fond de teint. Et je vais passer dessus. Pour être sûre que ça camoufle bien. C'est pas une bonne idée de superposer les couches avec ce fond de teint parce que il est très couvrant et il est assez épais. Mais voilà, il tient bien. Après, il faut bien le poudrer, je trouve, quand même. Moi, je le poudre toujours, hein, pourtant, j'ai pas une peau grasse. Je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Too Faced, le Bandy Sway. Donc, c'est toujours la teinte Swan. Et je vais prendre un de chez Fit Me. C'est la teinte 20. Voilà, je vais mélanger un peu les deux. Parce que je veux pas justement faire trop clair non plus, vu qu'après, je vais réchauffer mon teint. Je vais appliquer un petit peu ici, un petit peu là. Je vais mettre un petit peu de Fit Me. Il est un peu plus foncé, vous voyez. Et je viens d'écraser, enfin d'estomper avec mon éponge. Je vais venir faire du contouring, réchauffer un peu mon teint avec le teint tour de chez Huda Beauty. Et je l'ai en teinte fer. Et je vais prendre un petit pinceau, un genre de pinceau comme ça, brush. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, je prélève la matière dedans. Et je vais venir marquer mes ombrages. Il est assez bien pigmenté et il se dégrade facilement. Je l'aime beaucoup. Mettre un peu de blush, celui-ci c'est le Go Go Teen de chez Benefit, c'est un liquide, on peut l'utiliser aussi sur les lèvres et donc par contre il faut le travailler vite parce qu'il se dégrade bien hein, mais il sèche assez vite et sinon ça fait des petites taches, donc vite vite vite. Il n'y en a pas beaucoup. Après j'en avais un aussi de chez Rimmel, il est bien, c'est en crème. Ah, donc à faire aux doigts ou à l'éponge, mais je prélève aux doigts propres, bien sûr je dégrade à l'éponge. Il est bien aussi, il se dégrade bien et il fait un effet poudre après, enfin il sèche mais il fait pas de marque non plus, il déplace pas la matière. Et lui j'aime beaucoup aussi mais il est un peu plus, la texture n'est pas la même, je l'aime beaucoup. J'en ai mis beaucoup, la première fois j'en ai mis beaucoup, ça faisait waouh, c'était trop. Il faut vite le dégrader. Après là ça me dérange pas qu'il y en ait beaucoup, justement je veux cet effet bien, les bonnes joues bien roses, le teint bien bronzé, voilà, pirates sont assez... Je mets un petit peu d'highlighter, celui-ci c'est de chez Rare Beauty, je l'adore, il est trop beau, il est magnifique. Moi je l'ai pris en teinte Mesmerize, c'est ça le nom? Ah je ne savais pas. Écoutez, hop, je mets deux petites gouttes pour l'instant. Je vais venir poudrer le tout avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Moi, je l'ai en teinte fer pâle. Donc, c'est la Airbrush Flawless. Je ne sais pas si je l'ai dit. Elle est bien creusée parce que je l'ai pas mal utilisée. Ce que j'adore faire, c'est utiliser une houppette pour bien presser la matière. Ça ferait vraiment une peau toute lisse. J'aime beaucoup. Mais là, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais juste poudrer avec mon pinceau et je repasserai avec une poudre de chez Revlon. Là j'ai la teinte 840 médian moyen, elle est un peu plus foncée du coup et moi je veux cet effet un peu plus bronzé. Donc je vais prendre un pinceau bien dense comme ceci pour la poudre de chez Charlotte Tilbury. Vraiment bien cette poudre, franchement je l'adore. Je vais venir repasser avec donc cette poudre avec un pinceau un peu plus gros que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent par ma soeur Estelle. C'est un It Steel. Il est plutôt beau ce pinceau et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais venir balayer comme ça. Je vais venir réchauffer mon teint maintenant avec une poudre bronzante. Je sais plus la marque mais je l'ai mis dans un pot vide de chez Kiko. Je crois que c'était LT Leclerc. LT
Leclerc, c'était elle Leclerc ou t'es Leclerc? Je crois que c'était Leclerc. Je sais jamais le nom. Bref, en plus c'est marqué sur la bagage, c'était Leclerc. Je vais réchauffer mon teint. Je vais venir maintenant prendre un blush, donc j'hésite entre le Too Faced que j'ai remodelé à chaque fois, qui est comme ceci, ou un que j'avais eu sur AliExpress, qui est comme ceci. Il est pas mal aussi, mais lui il est un peu irisé, donc je ne sais pas. Je vais essayer celui-ci, et s'il n'est pas assez rose, je mettrai le Too Faced. Et pour le highlighter en poudre, j'utilise un que j'ai eu sur AliExpress. Il est magnifique, regardez-moi ce packaging. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau. Donc je vais prendre un pinceau highlighter. Il est juste ici. Je vais déjà fixer mon teint avec le fixateur de chez Make Up For Ever. C'est le Mist et Fix. Il est vraiment génial celui-ci. Il est très très bien. Donc je fixe surtout mon visage. Le goutte à goutte, j'aime moins que celui du Napka. Mais il est bien aussi. Hein. Je vais venir faire mes sourcils avec la Vibro Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, avec le petit pinceau que j'ai acheté. Je vais brosser mes sourcils et je vais faire comme d'habitude. Je vais fixer avec le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude et il est transparent. Voilà, maintenant on va passer aux yeux. Je vais venir remettre un tout petit peu de concealer de chez Too Faced et je vais venir l'estomper avec un pinceau plat. Comme ça mes fards à paupières vont bien accrocher et ça me permet aussi de redessiner un petit peu le sourcil. Je vais fixer mon arcade de sourcilière avec la poudre de tout à l'heure et un pinceau fluffy un peu plat. Je vais uniquement poudrer l'arcade sourcilière, comme ça quand je vais dégrader mes fards, ils ne vont pas se coller à mon arcade et ça va permettre de bien faire le dégradé. Je poudre ici aussi, ça va bien se dégrader comme ça, ça va être plus facile. On va passer à la base, donc j'utilise un crayon de chez Sephora. Il n'est pas très très noir, donc c'est pour ça que je vais prendre la base et je prendrai soit un crayon noir de chez Diego Dalla Palma que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic il me semble, et sinon j'en ai un autre de chez donc L'Oréal, c'est un noir, il est vraiment très très bien celui-là et c'est avec celui-ci que je ferai le noir intense, mais je vais déjà faire ma base avec celui-ci, donc j'en mets comme ça, vous voyez, pas très très noir hein, il est plus gris que noir. Mais c'est pas grave, je vais faire ma base comme ça. Et je vais tout de suite dégrader avec un pinceau boule comme ça. J'essaie de dégrader l'intérieur. Donc c'est pas un crayon jumbo, c'est un crayon, il n'est pas assez gras. Donc j'en mets ici. Voilà. Et je vais venir un peu étirer. Il est pas ouf, hein. Je trouve ce crayon. Bref, je vais intensifier le noir. J'intensifie mon ras de cils, pardon, avec le noir de chez L'Oréal. Donc, comme ceci. Et je vais prendre un pinceau un peu plus fin et boule, comme ceci. Et je vais venir dégrader. Intensifier ma base ici avec donc le crayon noir de chez L'Oréal et j'ai estompé le reste, donc j'ai repassé au-dessus de l'autre. Je suis désolée, donc je pense que de toute façon je vais vous laisser avec les images parce que ça va faire que ça. J'y peux rien, je suis désolée, hein, mais le monsieur il travaille, donc voilà, mon voisin fait des travaux, donc c'est pas sa faute hein, et c'est pas de la mienne non plus.
C'est comme ça, c'est la vie. Bref, écoutez, je vais continuer du coup. Je vais repasser donc avec un fard mono comme ça de chez L'Oréal. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Et donc, je vais repasser sur... Je vous laisse avec les images parce que de toute façon, je vais mettre de la musique, ce sera mieux que ce bruit. Ça y est, le monsieur fait plus de bruit. Du coup, bon, j'espère que ce petit passage de musique vous a plu. Je vais prendre des paillettes. Alors là, je vais prendre du coup... Je voulais prendre celle-ci, mais elle tire sur le vert. Et j'ai pas de, de or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Et je ferai un mélange avec d'autres paillettes que j'ai. Le mieux, c'est des grosses paillettes. Si vous avez des grosses paillettes pour déposer ensuite, franchement, c'est vraiment bien. Mais moi, j'en ai pas. Donc voilà. Du coup, je viens prélever au doigt la matière et je viens les déposer donc un peu ici et je remonte légèrement et je vais venir en déposer ici. Et là, je vais prendre un petit peu de celle-ci que j'avais sur AliExpress. J'ai pas la teinte, c'est un genre de champagne. J'ai pas d'autres paillettes, hélas. Comme ça, je dégrade. Voilà. Et je vais mettre le mascara de chez Huda Beauty que j'adore, qui est en deux étapes. Du coup, je vais maintenant mettre des faux cils, donc toujours dans ma palette. C'est les faux cils Alexis, ils sont trop trop jolis ceux-là. Je les aime beaucoup, en plus la bande est plutôt fine, donc ça c'est bien. Et je vais prendre la colle à faux cils de chez Huda Beauty, c'est la transparente. Elle est à l'envers. Vous pouvez utiliser la noire, du coup c'est pareil, c'est pas grave, vous avez fait une base noire. Et je vais prendre une petite pince à épiler, toujours pour les appliquer. Et du coup, on se retrouve tout de suite, juste après avoir posé vos cils. Voilà avec les faux cils. Bon, j'ai eu un petit problème avec celui-ci. J'ai dû mettre un autre, donc celui-là, c'est pas le même que celui-là. Parce que la colle s'est mise partout, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû recommencer 2-3 fois. Et du coup, j'ai l'impression que ce côté-là, il est moins joli. En vrai, ça passe, mais en vidéo, là, je crois que ça se voit fort. Je suis dégoûtée, du coup, j'ai dû nettoyer avec une lingette. C'était un vrai bordel. J'ai dû repasser ensuite ici. Bref, écoutez, on va passer aux lèvres maintenant. Alors, je vais prendre un petit crayon comme ceci de chez Revlon. La teinte, c'est nude. Et du coup, je vais crayonner mes lèvres. Commencer par faire le contour et je vais crayonner légèrement. Et je
je vais prendre maintenant un rouge à lèvres de chez T. Leclerc. Voilà, je le dis bien. Et là, c'est la teinte 40 beige ingénue. Voilà, et c'est un joli nude. Donc, j'avais mis un petit peu le raisin. Il est comme ceci. C'est un joli nude. Il est très, très beau. Je l'aime beaucoup. Et donc, je vais l'appliquer sur mes lèvres. Il est trop, trop joli. Je l'aime beaucoup. Et je vais mettre des petites paillettes, donc c'est un petit gloss comme ceci, pailleté sur donc mes lèvres au centre. Voilà, comme ceci. Et je vais nettoyer parce que l'embout est dégoûtant. Je ne veux pas replonger dedans, donc je prends ma lingette, je nettoie. Voilà, tout propre. C'est un conseil que je vous donne de faire ça parce que sinon c'est dégoûtant. J'ai envie de mettre du highlighter pour dire que ça colle un peu moins. Parce que j'ai l'impression que là, du coup, c'est plus glossy que pailleté. Donc en fait, en gros, c'est mieux de le mettre seul. Mais bon, avec les masques. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le highlighter avec mon doigt. Je vais prendre une assez grosse quantité. Et je vais poser ici. Je prends un autre doigt du coup. J'ai pris presque tous mes doigts, maintenant ils sont dégoûtants. Et bah écoutez, je trouve ça trop beau, j'adore. Ce look, j'adore. Il est trop stylé, il est trop beau, j'adore. Ah franchement, j'espère que vous êtes trop contents que vous aimez ce look parce que moi, je suis trop contente. J'adore ce look. Alors pour l'épée, attendez, elle est juste ici. J'ai pas trouvé, vous savez, les épées comme ça. Andy, il y en a pas. Je voulais pas la commander sur le site, hein. Voilà, les traîner. Et Andy avait une épée comme ça. Je sais qu'il servait quand même des épées comme ça. Mais ils en avaient une avec le manche ici. Et moi, je l'ai pas. Et je me suis dit, punaise, celle-ci, elle est trop belle. Je vais l'utiliser quand même. Ça fera l'affaire. J'espère que ça vous plaît quand même avec l'épée. Le chapeau était fourni avec. Alors, le chapeau, il était plié, hein, logique, quand on l'a reçu. Et c'est du tissu. Donc, je sais pas si vous verrez. C'est tout plié comme ça. Donc, moi, j'ai essayé de passer au sèche-cheveux et de frotter comme ça pour enlever les pliures. Mais bon, c'est pas top top. Et voilà, c'était plié. Mais franchement, le chapeau, ça va. Il gère. J'aime beaucoup. Il est un peu grand, mais ça va. Après, s'il fait du vent, je pense que ça ira pas. Mais bon. Bref, franchement, j'espère que ce look, il va. Alors, juste petite info pour ce look. Donc, il y a la robe. Tout est ensemble. Alors, je vais essayer de me lever. Je pose l'épée. Je vous ai déjà fait montrer. Hein, donc, la ceinture est avec. Elle n'est pas réglable, par contre. Mais ça va. Elle bouge pas trop. Il y a juste ça qu'il faut régler. À un moment donné, ça s'est détaché, donc j'espère que ça s'est pas vu dans la vidéo. Donc, faut bien faire attention de le serrer. Et ça, c'est avec. Donc, les manches sont avec. Moi, j'ai acheté un jupon. Attendez, je me lève. Le jupon, il est ici. Vous voyez, c'est un jupon que j'ai acheté à part. Et les barésilles, je les ai achetées à part aussi. Il y avait plus grand et plus large au niveau des barésilles. Donc voilà, écoutez, j'espère que toutes ces informations pourront vous aider si jamais l'année prochaine vous l'achetez, parce que je pense qu'il est un peu trop tard. Même si la livraison est 2 jours, ça dépend où vous êtes. Moi, je suis en Belgique et Pépas m'a livré au bout de 4 jours.
Mais ça va, je suis contente. Après, si vous livrez en semaine, moi j'ai livré le jeudi, donc vendredi, voilà, et le samedi ils ont pas livré, vu que c'est fermé l'après-midi. Bref, écoutez, je suis trop contente de ce look. Je vais vite le poster sur YouTube parce que franchement, je suis trop contente. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère que j'ai tout dit au niveau des infos. Ah oui, les boucles d'oreilles, j'avais pas des grosses boucles d'oreilles, donc c'est en fait c'est une collègue qui me les a prêtées. Et en plus avec mes longs cheveux, on les voit pas, donc ce qui est mieux c'est de faire des genres de tresses et tout. Après, si vous n'avez pas de ce costume, les bandeaux ça marche très bien. Vous prenez un bandana et que vous mettez juste ici, vous prenez des grosses crolles, donc moi j'en mets jamais. Mais c'est une collègue qui me les a prêtées. Après, en bijoux, moi j'ai pas beaucoup de bagues, mais ce qui marche bien, c'est toutes les bagues en or. Enfin, moi j'ai pas de bagues en or. Et je n'ai pas trop de toc. Enfin, en tout cas, il y a que celle-ci, c'est du toc. Et tout le reste, c'est de l'argent ou du plaqué or, du rose gold. Enfin, bref. Du coup, voilà. J'ai mis ce vernis. Je trouve que ça suit pas tellement au final. Mais bon, écoutez, voilà. C'est un de chez Catrice. Il est super beau. Mais bon, c'est vrai que ça suit pas tellement avec ce look. Mais bon, j'aurais dû faire noir, mais j'ai pas de vernis noir, vu que je n'en mets jamais. Bref, je vais vous laisser avec ce look. J'espère vraiment que ça vous plaît. Franchement, je suis trop contente là. Franchement, je trouve que j'ai géré. J'ai géré, non? Il est trop beau ce look. Moi, je suis fière de moi. Il faut être fière de soi quand on réussit quelque chose. Voilà. J'espère que l'intro, la musique, tout vous plaît. Allez, j'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un merveilleux Halloween pour ceux qui aiment tout ce qui est gore. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fera plaisir. Bisous. Ciao.